La loi bioéthique de retour à l'Assemblée, deuxième lecture à partir de lundi. Le texte prévoit la PMA pour toutes. Les députés de la majorité, en revanche, ont décidé de retirer une mesure qu'ils jugeaient trop sensible. La ROPA, qui devait permettre le don d'ovocytes d'une femme à sa partenaire pour qu'elle porte le bébé. Une déception pour Joëlle Belaïch Allard. Elle est présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Je ne vois pas de raison, sauf idéologique, de l'interdire. Ça n'est pas une gestation pour autrui, il faut arrêter de prononcer un mot inutile. Ça n'est pas un don d'ovocytes, c'est vraiment une maternité partagée. Franchement, en dehors de l'idéologie, je ne vois aucune raison d'interdire cette technique. Et à titre personnel, je suis vraiment triste pour les couples de femmes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on ouvre des portes, mais on se met une barrière juste derrière la porte pour être sûr qu'on n'en fera pas trop. Pour donner pour quelqu'un, c'est pas dangereux. Et si c'est pour un couple qui le fait entre elles, c'est dangereux. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie.